passé. C'est bon. It's good. Tu peux baisser un petit peu, c'est jouer un petit peu. Eh bien, bonjour, bonjour les amis. Quel plaisir de vous retrouver après un mois de vacances. Vous savez, vous m'avez manqué les amis. Et quel plaisir de vous revoir enfin. Et bien sûr, je suis accompagnée d'un artiste en exclusivité, hein, je dis bien, hein, en exclusivité sur Andy FM Martinique. Il nous a choisi justement pour se présenter, pour le découvrir. Et bien, c'est Harold Stewart. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça se rapproche de la perfection. Stewart. Stewart. Oh, autant pour moi. Mille excuses. Et puis, je suis toujours accompagnée de Paul au micro et à la technique, qui assure également la technique. Bonjour, Paul. Ça va? Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, moi, ça. Eh bien, bien sûr, moi. Très, très bien. En tout cas, les amis, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver enfin après un mois de passer en vacances. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, bien sûr, sur Instagram, et bien sûr, sur notre chaîne YouTube aussi, que vous pourrez découvrir cette émission aussi qui est filmée en direct. Hein. Aussi bien sur Facebook que sur la chaîne YouTube. Alors vous pourrez nous suivre et puis justement découvrir qui est Harold Stewart, bien sûr. Et puis sans oublier le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, que c'est votre radio, au 05 96 768, pardon, 268. Et voilà, bon, j'ai tout donné, j'ai tout annoncé. Oui, pour ceux qui préfèrent les chiffres 2 par 2. Voilà, et bien sûr, nous allons commencer avec une chanson aussi pour vous dire combien mon content ou azote. Justement, nous allons commencer avec l'artiste dédié, content ou azote, et on se retrouve juste après avec notre invité, Harold Stewart. Tu connaissais? Non, je crois pas. Moi, ça m'a plu, j'ai vu ça pendant les vacances. DDK, c'est DDK. Ça m'a fait. Je crois que. C'est déjà connu. Il y a longtemps qu'il fait de la musique. Il a commencé en 2016, je crois, il me semble, comme j'ai vu sur les. Parce que DDK, ça me dit un truc comme si il était sur une compil Raga ou un truc comme ça. Oui, parce qu'effectivement, il a commencé sur. Avec une maison de 10, justement, qui fait du raga. Je pense que. Et celle-là, il a sorti. Et là, il a sorti ça cet été. Donc. Ouais, ça pourrait correspondre. Le flou, mm-hmm. Je connaissais pas. J'ai dit, je découvre plein d'artistes pendant les vacances, enfin, que je vais ramener ici. Ouais, donc, s'écouter. C'est ça. Tranquillement. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes africains aussi. Mais il y a une tendance, effectivement. Ouais, afrobeat. Tout ça. La plupart sont des Nigériens, la plupart. Ah, mais ça déferle. Hein. Comment? Ça semble être une déferlante. Ah, exactement, tout à fait. J'ai même trouvé une pépite entre Haïti et l'Afrique, le Tchad. Ah ouais. Mmh. C'est vachement bien. Ouais, ça se vaut et puis ça. Ouais. Ce sont des succès qui se succèdent. Voilà, très bien. Et ça marche bien, ouais, et ouais. C'est entraînant. Et... C'est ça. Oui, je veux dire, cet été, j'ai passé mon temps quand même pour voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui pourrait passer ou pas. C'est ça. Content, what's up?
Eh bien voilà, c'était la manière de vous dire que je suis contente de vous voir, donc content oisote. C'était dédié, content oisote. Ouais, moi je ne connaissais pas du tout, c'est là que j'ai découvert. Ben voilà, c'est sympa, très sympathique. Voilà. Moi aussi, finalement, que je découvre tout juste. Donc voilà, ben, on va découvrir justement un autre artiste qui nous accompagne durant cette heure, Harold. Bonjour alors, à tous. Voilà, alors comment vas-tu? Alors qui es-tu? Qui est Harold en général? Ben, comment, Harold, comment te présentes-tu? Oui, comment je me définis? Ben, comme un habitant supplémentaire quoi. La Terre, c'est-à-dire que bon, je vis, j'évolue, j'ai certes des passions. Donc ces passions, notamment la musique, l'écriture. Et donc, en fonction des événements, des possibilités, des humeurs, donc je m'exprime. Tant on est soit en écrivant, soit en chantant, en réagissant à l'actualité, puisque la plupart du temps, c'est une réaction. Dans tes textes, tes inspirations viennent essentiellement, pas essentiellement, mais... Enfin, pour peu que je me sente concerné par un sujet, je n'hésite pas à l'aborder, puisque les mots sont là pour me le permettre. L'inspiration fait qu'on trouve un air sympathique. Deux, trois accords à la guitare, ça peut inspirer ou décourager, parce que parfois le découragement guette. Donc la guitare reste là pendant trois jours, trois, quatre jours, voire semaine. Et puis voilà. Après, ce sont des périodes. Voilà, parce qu'il y a même aussi, pour ceux qui écrivent aussi, dans le trouble de la feuille blanche. Ah ben oui, comme certains écrivains, donc ça c'est plus grave hein, quand on le pense, hein, ça, c'est déprimant. Mais non, mais après on revient vite. Bien entendu. On se ressaisit vite. Et... On la noircit, quoi, voilà, de mots. De mots, et après on les met en ordre, et puis ça oui, peut voilà, faire ça fait, des belles voilà, histoires. Satisfaction au bout. Voilà, tout à fait. Alors dis-moi, je sais que tu fais de la musique, tu es auteur, compositeur, tu... Et j'ai longtemps hésité sur le troisième élément, l'interprétation. Alors je me suis dit, dois-je me définir comme un interprète, oui. Puisque en m'écoutant, je ne sais pas si je me serais retourné sur le fauteuil. Ah oui, en référence à une certaine émission. C'est oui, ça. Tout à fait. Donc ouais, oui, mais par la force des choses, c'est auteur, compositeur, interprète, puisque jusqu'à maintenant... auteur, donc j'écris, compositeur à la musique, et j'interprète jusqu'à ce que d'autres personnes m'accompagnent ou me remplacent. Mais pour le moment, c'est ça. Ouais, bon, tu as les trois casquettes voilà. Pour toi. Voilà. Ouais. Et ben, si tu nous interprétais une de tes chansons. Eh ben oui, voilà, je vais le faire. Et puis, comme j'ai sollicité votre contribution. Ah, ben, ça m'est un plaisir. Bon, parce qu'en fait, je le sujet, voilà, nous sommes tous concernés par le sujet qui va suivre. Hein, donc, c'est payer. Payer. Combien il y a à payer. Donc, comme on dit, la liste n'est pas exhaustive. Donc, j'ai pris quelques éléments. Donc, la voiture, les factures, la toiture, les chaussures, les fournitures. Et aussi la confiture, quoi. Il faut payer tout ça. Ça va être chouette, ça. Ouais. C'est parti. Moi, je t'accompagne au cœur. Il n'y a pas de souci. Je ferai au mieux. Pas du tout.
c'est pas nous parler, ça ne pas nous parler. Donc à parler, c'est eux qui nous pêchissent. On est même mêmes, ils ont l'air de gosse. Donc on est supposé pour les repères, les copines. Mais c'est toujours les plus petits qui t'aiment de la cadille. Qui m'a foutu et ça m'a battu. Les fatigues, ben toi tu m'y baignes. Les chaussures, les fournitures. D'inspiration payée, pourquoi pas, ça coule de source. Voilà. Mais c'est bien, j'aime bien cet entraînement, c'est sympathique. On paiera tous désormais avec le sourire. On va essayer. Ah, oui. D'accord. Oui, mais pourtant... Si vous saviez ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, exactement, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci, c'est encourageant. Et c'est ce genre d'initiative qui permet à beaucoup d'artistes effectivement de pouvoir sortir un peu de l'ombre, de s'exprimer, de partager. Exactement. Et justement, en parlant de ça, est-ce que durant les vacances, tu as pu justement t'exprimer sur scène ou dans d'autres radios? J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Maintenant, je l'étais consacré à autre chose, mais pendant les vacances, j'ai toujours ma guitare. Donc certaines personnes ont eu l'occasion de me voir à côté de la plage, à 5 plus, en bas, pieds, bras, voilà. Ah. Donc c'est là, en fait, c'est là ma scène pour l'instant. Ah bah, c'est tout aussi bien, voilà. C'est ça, hein, les gens viennent t'écouter, pour ceux qui veulent t'intéresser. Voilà. J'apprécie aussi la discrétion, mais à un moment, il faut pouvoir s'exposer. Oui, aussi pour pouvoir se faire connaître, parce que quand on est talentueux, il faut quand même que le monde se reconnaisse. Merci d'avoir eu l'occasion de le repréciser. Ben oui, de le reconnaître, de se faire connaître aussi. Merci. Donc voilà, ça va. Donc tant mieux si tu as pu de modestement t'exprimer. Voilà, merci de me donner l'occasion. Avec grand plaisir. Ça marche. Donc voilà, on va écouter encore quelques notes de musique. Hein. On va écouter, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter aujourd'hui? Ah ben... il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Ah ben on va aller voir Gloria Estefan, parce qu'effectivement c'est leur anniversaire à Gloria Estefan, à l'âme. Un des jumeaux des Bee Gees, je sais pas, tu connais le groupe Bee Gees? J'en ai entendu parler, mais pas suffisamment pour voir de qui Parle. Voilà, c'était une lave la fin du samedi soir. Okay. Bon, c'est celle qui a marqué le plus, hein, en fait, compte. C'est ça. Donc c'est un des jumeaux, parce qu'il y en a un qui est décédé, mais l'autre c'est son anniversaire également aujourd'hui. Ah ben on va rester dans la Caraïbe, hein. Alors, on va rester à Cuba, on va écouter Gloria Estefan, Mi Tierra. C'est parti. Ah oui, ok. Et moi, tu sais, au début, j'étais tellement bête. Quand j'ai regardé l'émission télévisée,
Et puis on disait, bon, mais on va vous présenter Gloria et Stéphane. Ah, tu te dis, ben... Alors je vois Gloria arriver, mais... Stéphane. C'est après que j'ai compris que mon famille était Stéphane. Ok, d'accord. Non, mais après, on a des trucs comme ça. Moi, je dans le temps, ma mère avait un disque, c'était Gustave Vicam. Et puis il y avait la petite fille qui chantait Maman débile ou pas terrible. Oui. Ouais. Au début, je n'avais pas trop compris son nom. Hein. Moi, c'était vie, c'est ça. Non, oui, c'était vie, la fille. Oui. Mais je n'avais même pas saisi que le prénom de la chanteuse, c'était Gustavie. Mm-hmm. Au début, je pensais même que c'était un nom qu'on présentait, ouais. Gustave Icam. Ouais. Mm-hmm. Donc on a partagé le teaser. Voilà, c'est ça. Et c'est longtemps après j'ai compris que Gloria et Stéphane étaient une seule et même personne. Je dis, ah d'accord. Donc c'est une anecdote comme ça qui reste et qui est sympathique. Oui, oui, après c'est pas méchant. Non, pas du tout. Il m'est arrivé plein de trucs comme ça. Une fois on était en visite, j'étais en France, hein, parce que j'ai vécu pas mal d'années en France. Et on a visité le château de Vincennes. Bon, j'étais sûrement CM1, CM2, je ne sais plus. Puis il y avait les mannequins, mais les mannequins étaient tellement bien faits, c'est habillé d'époque et tout. Hein. Mmh. Et puis là, je suis là devant, je suis en train de leur parler, alors comment on fait pour rester des heures? Ils disent, oh la honte. Ils disent, oh la honte, mais ce sont des mannequins, ils disaient, bah ouais. Encore alors. On a le droit de se couper. Ah ouais. Encore, on découvre les choses. Mais oui. C'était tellement bien fait, et la tenue d'époque, et puis même la poupée, enfin le mannequin, c'est bien. C'était un hommage que tu rendais au travail accompli. Ouais. Exactement, mais c'est du travail. Hein. Ouais. Voilà, pour reconnaître aussi que les petites tenues. Alors après, alors, t'as la chanson, t'as la seule chanson, t'as une autre chanson aussi à nous. Oui, j'ai une autre chanson, mais je me demande si ma voix va... Bon, si tu veux, entre-temps, on va parler du livre, comme ça ta voix va se... Et puis après, on va rebasculer sur le chant, histoire de remettre le code vocal, on reprend un petit peu. Comme en fait, il y a 2-3 jours, là, c'est une comment? Petite affection grippale. Ouais. La fièvre n'est pas trop forte, en fait. Non, ça va. Je pense que ça va. Oh, mais ça fait du bien d'avoir des artistes, tu sais, qui, comme toi ou comme d'autres, hein, qui sont dans ton cas, qui n'est pas venu dans les bons. Après, les grandes radios, ils ont forcément leur habitude de faire des artistes connus. Après, c'est une question d'étape. Hein, oui, après, il faut être prêt aussi. Il faut être prêt aussi à se reconnaître tant que tel, et puis après, matière à présenter. Mm-hmm. Plus souvent. L'artiste est précédé par ce qu'il a fait. Ouais. Donc, oui. S'il a sorti un truc, ça a déjà tracé un peu la... Un peu sa route, on va dire. Donc, tu me vois qu'il n'a pas encore sorti. Ben, c'est différent. Pardon. Comme moi, si jamais je sens un truc, c'est sûr que ça sera différent, parce que ça fait un travail en amont, tu mine de rien. Ouais. Talentueux ou pas, les gens, s'ils ne te connaissent pas, des fois. Découvrir ton talent, mais pour le découvrir, il faut que tu sois déjà là, qu'on t'ait déjà invité. Ouais. C'est ça. Et bien voilà, c'était Gloria et Stéphane toute seule, parce que c'est la seule et même personne. Donc je me demandais toujours, quand elle était à la télé, Gloria et Stéphane. Je dis oui. Gloria, mais Stéphane, il est où? Il est dans l'ombre. Donc c'est longtemps avant que j'ai compris que c'était Stéphane, son nom de famille. Donc c'était la seule et même personne. Donc voilà, maintenant toujours dans les mines en IFM, toujours avec notre invité Harold Stewart. Et nous allons poursuivre aussi, qu'on voit l'artiste, hein, toujours. Mmh. Alors tu ne fais pas que faire de la musique. Il paraît que tu as aussi une plume, une belle plume. Ouais, une plume. Une plume big, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc je l'ai mentionné effectivement tout à l'heure, l'écriture. Donc j'ai déjà pour composer, il faut écrire. Ouais. Oui. Écrire une histoire, écrire. Donc même avant la musique, j'affectionnais déjà l'écriture, la lecture.
Donc j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup et pour d'autres personnes et finalement j'ai pu compiler certains de ces écrits pour produire l'ouvrage que j'ai sorti en 2014, auto-édition, un ouvrage d'anecdotes où je parle de choses vécues ou observées et un peu comme les fables de La Fontaine, il y a une petite morale à la fin. Voilà. Surtout que le titre du livre, Livraison à domicile. Donc c'est, alors, le dire comme ça ne signifie pas grand-chose, mais il faut le voir, effectivement, ce sont des mots. Donc livre, ensuite raison, ado, nos chers ados, miss, notre genre féminine, et puis il. Donc livraison à domicile, chaque mot signifiant, il y a une signification pour donner une livraison, quelque chose qu'on n'a pas forcément commandé. Donc on est surpris lorsque l'on sonne à notre porte. Mais il nous appartient de saisir cette paix qui nous est gracieusement offerte. Tout à fait. Voilà. Donc, faut savoir, quand on donne, faut savoir recevoir aussi. Oui, tout à fait. Il faut, même si on est surpris, après une rapide analyse, on se dit, tiens, ce serait peut-être judicieux d'accepter. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. On ne sait pas, mais ça, c'est de bon augure, manifestement. Voilà, ben, c'est bien. Donc tu as tout fait tout seul en fait. C'est un domaine qui m'était inconnu, donc il a fallu que je fasse des recherches sur Internet, sur la pagination, comment ça se passe, que j'ai plusieurs modèles de livres en main, que je vois un peu comment ça se passe. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait la couverture, toujours. Avec mes instructions, ce que je voulais. Et puis voilà, ça a donné ce travail, ce résultat. C'est un travail de longue haleine, surtout quand on. Voilà, entre les fichiers perdus, entre l'inspiration, la fameuse page blanche. Blanche, comme tu disais. Les pages blanches m'ont fait avoir des nuits de la même couleur. Des nuits blanches. Tout à fait. Donc après, mais est-ce que tu as pu avoir de bons retours sur ton ouvrage? Ici, on fait bien vendu, chaque vente était bien. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça bien vendu, mais c'était d'abord l'occasion pour moi de relever un défi, de vivre une expérience intéressante, puisque j'ai pu rencontrer beaucoup de monde à travers les sujets évoqués, violence envers les femmes, sécurité routière, relations humaines. Effectivement, j'ai encore des souvenirs de relations, de rencontres vraiment mémorables. Voilà. Et touchantes. Voilà. Et touchantes, et que tu as pu mettre sur papier. Et encore aujourd'hui, ce livre me permet d'avoir cet échange avec vous. Donc c'est parfait. Donc, on va dire qu'il doit être intemporel ce livre. C'est ça, il est déjà certainement, et puis. Monsieur Vivra, je l'espère. Espérons, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs. Voilà, donc je m'organise pour le rendre beaucoup plus accessible. Et puis il y en a un autre en écriture. Donc ce sera l'occasion de proposer deux ouvrages pour le prix d'un. Belle promo. La promo, on peut se la faire soi-même. On est mieux servi de pas soi-même, comme on dit. J'aime beaucoup vivre ce type d'expérience. Alors, certains pas mentionneront peut-être des échecs, mais c'est important d'avoir au moins une fois fait quelque chose De soi-même. La promo, comme ça, on voit les erreurs à ne pas commettre. Et puis, c'est toujours d'avoir de l'expérience. Bien sûr. Mais même, c'est en faisant des erreurs après qu'on corrige. C'est ça. Cette vision. On sait de quoi on parle, finalement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tu vas nous interpréter une autre chanson. Il y a les cœurs aussi, parce que j'ai bien envie de. Je t'ai inspiré. Voilà. Alors, la vie arrête. Ah oui. Il y a le bagaille qui l'aide, mais il faut nous prier. Faire volonté de Dieu. Donc, c'est un peu. Ce refrain-là est un peu plus compliqué. Bon, on va te suivre en rythme. D'accord. Hein, donc, c'est parti. C'est parti. Thank you.
expérimente de aller autour de pouvoir tenir quoi, ouais. Parce que dans la plupart des situations difficiles, nos ancêtres l'ont connu. Oui, oui. C'est la musique, ouais, c'est les ça. Tambours, tout à fait. L'expression qui permettait et qui permet encore de tenir quoi. L'expression, la danse, parce que tambour, voilà, c'est et puis ça, la danse, on l'exprime de différentes manières. Ouais, tout à fait. Donc crier, chanter. Voilà. Pleurer, ça oui. Peut être des synonymes. Ouais. C'est ça. Voilà. Des fois, il faut voir tout ça à la fois. Absolument. Voilà, tout à fait. Et justement, quand la musique, tu as appris très tôt la musique, tu avais quelqu'un dans ta famille qui était dans le domaine de la musique ou... Oui. Comment est-ce que tu es arrivé dans... Mon père écrivait déjà, composait. Mm. Et puis, dans le milieu qu'on trouve que quand une église, un temple, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de micro, oui. Jamais vraiment loin d'une guitare. Guitare. Piano. Donc, c'est un membre de piano, oui. On s'en rapproche au point d'en faire son instrument de prédilection. Et puis, on avance. Alors, oui, ça fait 20 ans que je joue de la guitare, ça ne signifie strictement rien, puisque... J'ai passé 20 ans à m'accompagner simplement avec les accords que je connaissais, à me concentrer sur l'écriture, donc je ne suis pas un excellent guitariste. Ah bah, en tout cas, tu débrouilles bien. Je me débrouille, c'est bien que c'est le mot adapté, oui. Voilà, tu débrouilles plutôt bien, donc ça va. Bon, voilà. Je n'irai pas faire le fanfaron à certains endroits. Oui, c'est sûr. Bon, après, tu peux quand même faire les... Comme il y a des bars des fois qui font oui, tel bar, fait, j'ai l'occasion de faire. C'est justement une occasion d'expression, hein, et puis pas de jugement. On a chacun notre un niveau, ouais, de pratique.
Mais ce n'est pas le niveau de pratique qui compte, c'est l'échange. L'échange et l'émotion. Voilà, que... ce qu'on apprend l'un de l'autre, même hors musique, quoi. Donc c'est un tout. Donc, quelque chose, voilà. Donc tu en as pu faire ici en Martinique ou pas? Oui, j'ai eu l'occasion de faire la musique en Martinique, de faire partie de, du premier cercle de certains groupes hein, qui tournent encore. Donc ils ont trouvé les meilleurs guitaristes que moi. donc voilà, c'est une très bonne chose. Je regarde avec bienveillance, avec fierté les musiciens qui gravitent autour de moi, les musiciens martiniquais, et j'en profite pour encourager chacun, peu importe son niveau, à continuer dans l'expression et ne pas se laisser compromettre par le star system, ouais. À moins que ce soit un objectif. Aussi maintenant, ouais. Effectivement, c'est ça aussi. Il faut savoir être simple, humble, et puis jouer la musique parce qu'on... Prendre du plaisir. Ouais, prendre du plaisir. C'est ce qui reste à la fin. Et pas forcément faire du chiffre derrière, quoi. Enfin, ce serait dommage que la volonté de faire du chiffre surpasse le plaisir. Ouais. Que le plaisir soit vraiment... Au-dessus. C'est sûr et certain. Voilà. Donc c'est sûr. Donc on va écouter encore deux notes de musique et puis on te retrouve juste après. Ok, ça marche. Voilà, bon, justement on va écouter justement un des jumeaux là, les Bee Gees. Après je me rappelle plus s'ils étaient la fille du samedi soir. Non, c'est la BO du film de justement avec John Travolta, le déhanché. Le titre c'est Staying Alive, ben, justement. Allez, c'est parti. Alors boule la facette, c'est parti. Je crois que c'est de là que la carrière de Travolta a décollé aussi. Hein. Je crois que c'est à partir de là que la carrière de John Travolta a décollé. Il y a des chansons comme ça, effectivement. Qui, que lui, il chantait et dansait aussi, hein, John Travolta. Artiste accompli. Surtout avec la comédie musicale Grease. Avec Olivia Newton-John qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. La voix perchée. Voilà. J'aurais dû venir avec ma perruque des Louise. Là, tu peux nous accompagner à la guitare? Alors, ça peut. C'est très compliqué. Ça peut. C'est vrai qu'il y a la plupart des chansons qui, instinctivement, nous ont appuyé sur la structure. Mais il y en a, il faut vraiment aller chercher une gimmick, travailler. Quand tu avais un groupe, tu avais un tas de musiciens, c'est limite un orchestre. Oh ouais, c'est le philharmonique. Voilà. Alors que maintenant, tu es derrière un ordinateur et tu fais tout. Tu fais changer de son. Et tu fais, tout les, tu fais tous les instruments. C'est ça. Alors, derrière un ordinateur. Ouais. Bon, après, certains, quand ils font des lives, après, franchement, le rendu n'est peut-être pas forcément tel time. Je sais pas si on peut faire ça. Ah oui, des lives. Ouais. Oui, oui. Pour aller chercher la perfection de. Parce qu'ils ont fait ordinateur, ouais. Après... Tu vois bien qu'il y a... Ouais, c'est autre chose. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas essayer de reproduire à ce moment-là ce que tu as fait pour l'adapter, ou je ne sais pas. Ça ne sera jamais... Ouais, je ne sais pas. Maintenant, j'ai vu des lives, j'ai vu avant de venir au concert, Shaggy, c'est mi live, mi en fait. Oui, parce qu'il y a un DJ derrière. Il y a un DJ, il y a des écrans, il chantait en même temps avec un mec sur l'écran, en fait, le truc, tu vois ça. Oui.
Ouais, c'est celui de tes bacs, j'ai Ouais, j'entends tout seul. Donc effectivement, quand tu as les artistes de dancehall, la plupart, c'est pas vraiment, enfin, je veux dire, semi-live, parce que la plupart, il y a toujours un DJ derrière. Mais je vois que de plus en plus, ils se font accompagner par des groupes en live, quoi. Ouais. Qui adaptent un peu le truc, qui font, voilà, qui essaient de justifier pourquoi ils sont là. Pourquoi il y a du temps, pourquoi il y a une masse, alors que c'est tout. Tout, 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 ouais. Faut ça dire les platines, ça va tout seul. C'est ça. De retour, il est 12h42 sur Andy FM Martinique et nous sommes toujours dans les midis d'Andy FM, toujours accompagnés de Harold, que j'espère que vous appréciez cet artiste, que vous le découvrez d'ailleurs, comme moi-même, hein, du coup, et que vous appréciez justement ces deux chansons qu'il a interprétées tout à l'heure. Donc voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu accompagner d'autres artistes sur scène lors de leurs prestations? Alors j'ai eu l'occasion de... J'ai été sollicité il y a quelques années pour faire la guitare sur un album qui est sorti depuis, l'album de l'artiste. J'ai eu l'occasion effectivement d'accompagner des artistes pas vraiment connus, mais des artistes qui comme moi ont ce besoin, voilà, en devenir... enfin on est déjà artiste, mais bon, on comprend bien, voilà, des artistes accomplis dans le métier, alors... c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir et je pense plutôt à ceux qui pourraient m'accompagner lors de mes prochains déplacements. Voilà, ça serait bien, tu peux savoir deux, trois artistes voilà. Qui t'accompagnent dans tes tournées. Je mentionnais tout à l'heure des artistes martiniquais, il y a une pléthore d'artistes de talent et mon objectif c'est de pouvoir, moi, travailler de mon côté, pouvoir sortir, produire des choses intéressantes. Et avoir l'occasion de travailler avec ces artistes-là, qui puissent m'accompagner, qui puissent vivre cette émotion avec moi sur scène. Ce serait, c'est déjà un rêve banal, non? Oui, bien sûr. Okay. C'est un très très bon rêve d'ailleurs. Ouais. J'ai hâte de voir en tout cas. D'autant que ça, depuis quelques années, je n'arrête pas de stocker des chansons. Quand je pensais ne plus avoir d'inspiration, mais donc il serait peut-être temps de passer à des choses beaucoup plus audibles pour le grand public. Ça serait sympa. Voilà, donc ça fait partie du projet 2023. Oui, justement. Voilà. Quels sont tes objectifs justement pour la nouvelle année? Eh bien, voilà, ce serait peut-être de pouvoir travailler sur les davantage sur les deux chansons que je vous ai proposées afin que vous puissiez avoir une autre écoute et que justement. Les artistes martiniquais se battent pour pouvoir m'accompagner. Ah ouais. C'est moi. Ouais, je veux bien. À la batterie, donc pour l'instant, tu es uniquement à la guitare, mais quand ce sera fait, il y aura forcément. Oui, voilà, il y aura tout. Donc j'espère ne pas faire mentir à notre ami tout à l'heure qui parlait d'humilité, parce qu'il semblerait que j'ai glissé un peu. Mais non, mais. Ça va toujours. Ça reste. Ok, c'est, je suis très boutade, donc il faut prendre des trucs à un autre degré. Non, mais comme c'est un souhait, donc ça oui, bien entendu, voilà. Là, c'est. Ça, oui, les rêves sont assez fous, voilà. Parfois. Après, c'est avoir les moyens, la force, la détermination. Mais je sais, voilà. Ah oui, surtout en le disant comme ça, ouais, oui. C'est déterminé. Moi, je suis déterminé, je veux y arriver. Et donc, je sais que ça passe par le travail, par la rigueur, et puis il faut se jeter à l'eau. Là, ce matin, je me suis jeté à l'eau. Elle était un peu froide. Ah, c'est vrai. Pourtant, la température des bonnes, hein. Oui, c'est réchauffé, mais c'est vrai que c'est pas évident dans la vie d'un artiste. On le voit évoluer, c'est une évidence, mais il a travaillé sa pratique, il a travaillé la relation avec le public, il a fait abstraction de certains nombres de choses et j'espère être à niveau pour pouvoir proposer, travailler la voix, faire ce qu'il y a à faire pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Parce que la légitimité,
elle s'acquiert. Oui. On ne la trouve pas comme ça. C'est clair. Hein. Tout à fait. Donc, tu es encore dans le pays, tu restes encore... Je suis en vacances, je pars un dimanche. Ah, déjà ? J'étais là pour 3 semaines. Et j'ai répondu à une proposition qui m'a été faite, super d'ailleurs, donc je suis content de me retrouver là. Et donc je vais retourner, je vais continuer à travailler, et puis j'espère que mes prochains déplacements ici seront plus professionnels. Ah, j'espère aussi. Que farniente. Que, voilà. Et justement, quand tu es en France, justement, tu fais des manifestations, tu te produis, pardon. J'ai eu l'occasion de rencontrer des amis guyanais, guadeloupéens. On a monté un groupe et nous avons eu l'occasion de faire plusieurs fêtes de la musique, de jouer dans des maisons de retraite pour des personnes âgées. C'était à chaque fois une expérience extraordinaire, donc toujours dans l'expression de la musique tranquille. Quoi. Donc il y a quand même un échange avec le public. Oui, j'ai eu l'occasion de proposer deux ou trois de mes compositions. Donc j'ai pu voir comment ça pouvait se jouer, s'appréhender avec d'autres personnes. Donc c'est encore l'expérience, c'est matière à expérience. Oui, c'est ça. Pour après pouvoir produire. Oui, et puis être à son aise, parce que un artiste n'est jamais vraiment à son aise, hein, comme là, je disais tout à l'heure. Là, tu le traques un peu avant. Il y a toujours des choses, alors là, vous observerez que j'ai emmené les copies de mes chansons. D'ordinaire, je n'en ai pas besoin. Ah, oui, mais dans un cas comme ça, il faut se référer à une feuille non blanche, dans ce cas. On veut, voilà, donc je n'ai pas encore tout à fait cette aisance, et je la cherche, hein, qui me permette de me souvenir... des paroles, des chansons, même quand il y a du monde, même quand la situation est un peu différente. Donc ça, tout ça, ça aide à, voilà. À surmonter justement. Oui, voilà, c'est pour ça qu'un artiste, quand on le considère, il ne faut pas se dire qu'il vient là jouer au saltimbanque, là il y a du boulot, il y a du travail sur soi, il y a du travail de diction, il y a plein de choses. Voilà. Des fois, quand tu entends les chansons d'aujourd'hui, limite, il faut un décodeur. Ouais, il faut un décodeur pour certains artistes, pas tous. Hein. C'est ça. Mais certains artistes, c'est décodeur direct parce que tu ne comprends pas. Tu as des nouveaux mots qui... Voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais tous les jeunes de demain là, savent déjà ce que ça veut dire. Là, ils vont être remplacés par d'autres, sur mon prochain album, par d'autres mots. Donc, des fois, c'est... Alors, des fois, là, en ce moment, on est complètement dépassé. Donc, je veux revenir à des choses simples. Je veux simplement exprimer les choses. Et puis, il y a ce travail de correction aussi, de relecture. Correction de ce qu'on écrit, effectivement. Pour est-ce que c'est juste? Est-ce que ça se dit comme ça? Ah, j'avais trouvé une rime super, mais malheureusement, le mot ne signifie pas ce que je pensais. Mais voilà, donc ça, il faut faire autrement, il faut pouvoir. Donc c'est tout ce travail-là qui est intéressant. Alors des fois, quand tu composes, des fois, tu as déjà le texte en tête et puis tu fais la mélodie dessus J'entends souvent ces questions et quand on interroge les artistes, je suis attentif à leur réponse, puisque ça peut varier. Ça peut varier, il y en a qui vont n'avoir qu'une méthode de travail. En général, je suis inspiré par la musique. Je fais une suite d'accords, des accords que je connais, je fais un truc. Et la première phrase va déterminer les autres trois. Donc je commence par... des fois, ça vient simultanément. La musique et ce que j'ai à dire, quoi. Ça peut commencer par un mot et puis c'est « Ah tiens, ce mot-là, ben ok ». On va partir là-dessus, c'est ce mot-là qui va donner le thème, qui va donner l'idée générale. Et puis il y a tellement de transformations qu'au début c'est bien entendu un peu brouillon. Et puis on est satisfait de voir après ce que ça a donné. Surtout quand on connaît la genèse de la chanson, les turpitudes par lesquelles nous sommes passés. On se dit, il y a des chansons que j'ai écrites en 2 semaines. Et il y en a d'autres qui, ça fait 2 ans, je suis sur une strophe là. L'aspiration ne vient peut-être pas tout de suite. Ben, je fais des expériences extraordinaires. Une fois, j'écrivais une strophe et j'étais bloqué sur la deuxième phrase pendant 2 jours. Et finalement, la deuxième phrase, je l'ai mise en dernier. Et j'ai trouvé tout ce qu'il y avait entre. Donc, ça passe par là, par des essais, par des expérimentations. Voilà. Donc, c'est ça la musique, c'est.
Le processus de création n'est pas simple. Non, non, pas du tout. Donc, on commence par la fin. Ouais, c'est et on finit par le début. Ben, j'ai tourné 2 ans avec une chanson avant de m'apercevoir d'une anomalie. Je me suis dit, mais non, mais la strophe par laquelle je commence, il faut la mettre en deuxième. Il y a une autre que j'ai écrite après, mais qui logiquement doit commencer. On va commencer la chanson. Mmh. Donc voilà, un arrangement déjà. Voilà, donc après, après l'inspiration vient et après on arrive à arranger, à mettre dans le bon ordre. En fait, c'est comme un peu comme écrire un livre en fait. Eh bien oui. Comme, ben, ce sont les mêmes questions. Après, on se dit, comment le public, maintenant que tout ça est fait et que j'en suis satisfait, est-ce que le public le sera aussi. Et là, on plonge de notre étape. C'est plus tellement le temps de corriger. Quoi. Ouais, là, ben là, il faut se lancer. Hein. Puis tu vois, ça passe ou ça passe pas. Oui, ouais, voilà. C'est ça. Eh bien, ouais. Eh ben, c'est super. Donc, nous, on va écouter encore quelques notes de musique. Hein, parce que, ouais, comme quoi, l'heure passe vite. Hein. Oh, ouais, presque vite. L'atmosphère musicale, donc profitons-en. Mais, n'est-ce pas? Donc, on va écouter. Qu'est-ce qu'il nous reste à écouter? Ah, ben tiens. Ouais, tiens. On va écouter L'âme. Mmh. Une chanson de Michel Berger, que l'âme a repris. Je vais chanter pour ceux. Alors c'est parti. Très belle chanson. Comment? C'est tranquille. Ouais. Super. C'est pas, ouais, non, c'est... Tu vas venir avec une dernière petite chanson, une petite improvisation, allez. Parce que tu es bon en impro. Pour terminer en beauté quand même. Enfin, improvisation, non. On va aller chercher dans l'esprit ce qu'il y a de. Là, je laisse le temps de chercher. Ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est une chanson que j'avais déjà jouée en fait, sur la pollution en fait. D'accord. Nous, j'essaie une autre chanson, un truc beau, je voudrais dire, voir ce qui vient. Ben oui, ouais. On va finir en beauté. Ben justement, ouais, ok, on va recouper. Qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, c'était l'âme qui chantait. Je vais chanter pour ceux, une reprise de Michel Berger, pardon. Et ben voilà, vous savez, l'émission passe très très vite, hein. On en a encore quelques minutes en compagnie de Harold. Ben, on va peut-être finir en beauté avec une petite improvisation juste avant de retrouver justement les infos de Martinique la première. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? On vient d'écouter une reprise de l'âme, mais j'ai adapté un morceau connu, on peut appeler ça une reprise, donc je vous laisse un peu découvrir. Avec ce que j'en ai fait. Ah, super, on est tout oui. Yeah.
je ne veux plus le Voilà, ben notre émission touche à sa fin. Ça passe très très vite, une heure, malheureusement. En bonne compagnie, comme on dit, on ne s'ennuie pas. Donc, en tout cas, merci à toi, Harold. C'est pour ça que j'ai préféré dire 60 minutes. Ça, ouais. On a l'impression le plus long, mais bon, c'est pas vrai. Tout à fait. Alors, en tout cas, merci à toi, Harold, d'avoir permis de, justement de te découvrir, de passer chez nous, justement. Pour... Ça fait un excellent plaisir. Je n'avais pas prévu ça dans la période de vacances, ah ben. Je crois que c'est le meilleur moment. Ah ben, en tout cas, merci ben, pour nous aussi également. En tout cas, merci à toi. Et puis, on peut te souhaiter que le meilleur pour l'année 2023. Hein. Je partirai